Au bout de la quatrième fausse introduction, on va pouvoir y aller. Salut, moi c'est Lysandre et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un petit épisode, pas du tout, une petite vidéo assez spéciale parce que j'aimerais faire un concours. Voilà, vous êtes plus de 5000 à vous être abonnés à ma chaîne YouTube. Franchement, je pensais jamais arriver à un truc comme ça quand j'ai commencé à faire mes petites vidéos YouTube il y a plus d'un an. Voilà, j'étais à Paris toute seule dans mon petit studio pour la fin de mes études et je m'étais dit un jour, allez, go, je me lance. Et je pensais pas du tout en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc je voulais énormément vous remercier pour tout ce que vous apportez par le biais de cette chaîne, pour voilà, regarder mes vidéos, j'adore enfin les regarder, les commenter, prendre le temps de les commenter, avoir tout cet échange sur le tricot, sur mes loisirs. Voilà, donc pour vous remercier d'être là en fait, pour vous remercier de me soutenir, j'aimerais vous faire des cadeaux. Et ça passe par ce super concours que j'organise. J'aimerais du coup vous remercier vous, mais aussi remercier les généreux donateurs de cette vidéo, les très gentils et généreux mécènes qui vont vous offrir des lots juste à crever le plafond, on va pas se mentir. Je vais vous présenter tous les lots un par un dans cette vidéo. Je vous publierai cette vidéo. Pour participer à ce concours, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne, mettre un commentaire comme quoi vous participez au concours. Et ça serait vraiment cool que pour participer, vous répondez à cette question qui est la suivante. Quel est l'endroit le plus atypique, chelou, what the fuck, où vous avez tricoté? Tu vois un peu là? En fait, je t'explique, j'aimerais marrer avec le plus de commentaires possible et savoir l'endroit le plus bizarre où vous ayez tricoté. Voilà. Et si vous répondez à cette question, c'est la participation pour ce concours. Et en plus de ça, ça serait cool que vous mettiez un petit drapeau de là où vous habitez, parce qu'évidemment tout ce qui va être matériel, presque tous les lots vont pas pouvoir être envoyés en dehors de la France, voilà. Et par contre tout ce qui est immatériel peuvent intéresser toutes celles qui sont en dehors de la France, donc pensez à mettre le petit drapeau de où est-ce que vous habitez, comme ça c'est vachement plus facile. Bon allez, je vous présente les beautés. Il y a une quantité de lots. Alors, le premier lot, je vous en avais plus ou moins parlé dans mon nouveau podcast, c'est Mademoiselle Pluche qui va vous gâter. En effet, elle m'a offert gentiment, moi, des Progress Skipper que je vous ai présentés dans ma vidéo YouTube. Et là, je vais vous présenter ce qu'elle vous offre à vous. Parce que franchement, c'est trop bien. Alors, il y a le paquet numéro 1. On va retrouver un très très beau Progress Skipper, voilà, sur le thème de Noël. C'est un Progress Skipper pour les chaussettes, donc rien de mieux que des chaussettes. Elle m'a dit, tu vois, comme tu fais un cale chaussettes, en fait je vais faire un lot qui va avec des chaussettes. Et oui, mais oui. Donc voilà, avec cette petite branche de houx, donc un Progress Skipper magnifique, franchement... C'est juste ultra, ultra canon. Donc ça, c'est son première partie du lot. Ensuite, elle vous a mis également deux étiquettes. Plaisir d'offrir. Oui, c'est l'endroit. À coudre derrière vos tricots. Elle vous a également mis deux autres étiquettes. Joyeux vœux les nœuds. Super, super sympa. Et il y a aussi quatre petits autocollants avec des petits cœurs. Donc ça, il s'agit du lot numéro 1 et il est ultra canon. Le lot numéro 2, je ne l'ai pas avec moi. Il s'agit d'un lot offert par Cindy. Donc Cindy, c'est la teinturière derrière la marque La Madeleine.
une teinturière bordelaise que j'affectionne énormément, qui teint des laines, mais des beautés. Alors moi, je tricote énormément ces laines à chaussettes. Un petit problème avec les chaussettes, mais elle fait également d'autres laines. Et voilà, ça vaut le détour. Et Cindy vous offre avec bonté un kit pour faire des chaussettes. Donc c'est-à-dire un mini de 20 grammes et un autre écheveau de 50 grammes. Donc merci beaucoup Cindy. Donc voici pour ce lot numéro 2. Le lot numéro 3, c'est un très beau lot offert par Élise d'Amour Design. C'est une créatrice de patrons que j'affectionne énormément pour ses patrons de chaussettes. Elle fait des patrons de chaussettes. Je vais vous mettre voilà, des photos de ses patrons qui sont juste une tuerie. Ça fait vraiment partie. Là, je vais bientôt faire mon wishlist, mon make nine. Pour janvier, clairement, il y a des patrons à elle qui vont se retrouver dedans parce qu'elle fait des vraies beautés. Et là, elle a sorti récemment des chaussettes de Noël avec pas des Pères Noël, avec des bonhommes de neige. Et c'est à tomber. Et donc, Élise vous offre avec générosité un patron au choix parmi tous ceux qu'elle a sur sa boutique Ravelry. Donc ça, c'était le cadeau numéro 3. Le cadeau numéro 4, il s'agit voilà, de Case de Lune. C'est une créatrice que je ne connaissais pas. Case de Lune crée des broches qu'on peut mettre sur nos tricots, des broches en cuir, donc avec du cuir. Elle fait des beautés. Elle fait. Moi, j'avais repéré une broche en cuir avec. Un ananas, il y a aussi des broches en cuir de nuages avec des gouttes. Donc voilà, c'est pour sublimer les tricots que l'on fait. Et elle a la générosité d'offrir à l'une et l'un d'entre vous une broche en cuir. C'est vraiment super beau. Donc si vous avez voilà quelques temps, vous pouvez zioter sa boutique Etsy. C'est super, super sympa. Et de plus, elle m'a dit que tout n'est pas sur sa boutique Etsy, mais en regardant sur Instagram, on voit à peu près tout ce qu'elle peut faire. Donc voilà, je peux que vous inviter à aller voir ce qu'elle fait. Le prochain lot est sponsorisé par MJ, donc Margeva, que j'ai eu la chance de rencontrer durant le Knit It. Alors, c'est simple, hein. MJ, elle courait partout. Je l'ai chopée en vol. Je fais, salut! ravie de te rencontrer et tout. Parce que il faut savoir que je regarde presque tous ces podcasts, toutes ces vidéos, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'étais super contente de la rencontrer au Knit It. Et donc, MJ vous offre une de ses créations. Donc, il me semble que c'est soit une trousse à matériel, soit une trousse à encours à chaussettes. Donc, voilà. Donc, un très, très joli lot. Merci beaucoup, Margeva. Le prochain lot est sponsorisé par Vulcan Yarn. Donc c'est une teinturière de laine. Si vous n'avez pas vu le dernier podcast, j'ai un petit peu craqué chez elle, surtout sur ses bases, sur ses laines à chaussettes, parce qu'elle a différentes bases de laine à chaussettes. Donc moi j'avais craqué avec de la stellina, sur la base à chaussettes aussi avec du yak que je ne connais pas, et sur la base à chaussettes aussi avec de l'alpaga. Donc voilà, elle a vraiment une colorimétrie hyper peps que j'adore et différentes bases que j'adore. Et donc, très gentiment, elle vous offre un bon de 20 euros dans sa boutique. Merci beaucoup. Le prochain lot, il s'agit de Patron. Alors, c'est très local. C'est Céline, donc de Mademoiselle Petroni, qui vous offre très généreusement donc trois patrons. Donc, il y a donc trois lots à gagner. Trois patrons au choix dans sa boutique. Céline, si tu te rappelles, c'est la créatrice derrière le Ginger Cardigan. Je vais te remettre une photo quelque part. Le nez rouge parce qu'il a fallu que je me mouche. Le Ginger Cardigan, c'est un très, très, très beau gilet en fingering. Moi, j'avais tricoté avec de la mondime et avec donc un col en V et un petit motif d'hirondelle qui est juste ultra
ultra sympa, donc qui est vraiment un patron que je vais refaire. Mais elle fait plein d'autres choses super sympas, des tops d'été, des vestes, non, des cardigans, pardon, des châles. Enfin voilà, franchement, en plus c'est local parce qu'elle est à Chambéry, c'est juste à côté de chez moi. Donc voilà, merci beaucoup. Prochain lot, il s'agit d'un lot sponsorisé par Yarn by Simone. Donc Yarn by Simone, c'est la teinturière à qui j'avais acheté au Knit It 6 échevaux, donc 3 échevaux de fingering et 3 échevaux de mohair dans son coloris vert. Elle a des couleurs. Ça, moi j'adore, franchement, c'est... Elle a un violet qui pète, elle a un bleu qui pète, elle a du noir aussi. Donc voilà, Yarn by Simone, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très belle teinturière également. Et elle offre un kit avec... En fait, je fais que de regarder mes notes qui sont bas. Elle offre un kit avec un tote bag dans lequel vous pourrez retrouver un écheveau. Alors je ne sais plus s'il s'agit d'un écheveau pour faire des chaussettes ou un écheveau pour faire un bonnet. Donc un écheveau de sa laine avec un pins. Donc voilà, un beau lot bien complet qui fait plaisir. Le prochain lot est sponsorisé par Dererum Natura. Dererum Natura, c'est une filature qui est fait une filature française, normalement, il me semble que c'est dans la Creuse, qui fait des laines assez rustiques, gonflantes, mais qui ne piquent pas. Donc c'est vraiment des laines super canon. Il y a une colorimétrie de malade. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça va de la fingering, même moins, je crois, jusque des calibres pour des aiguilles de 4,5-5. C'est super bien. Et petit tips, sa laine est voilà, donc gonflante, ce qui fait que quand on va faire du jacquard, ça va lisser le jacquard. Alors je vous ai juste ramené un pull que j'ai fait en jacquard avec sa laine, qui est magnifique. Donc ça par exemple, c'est mon sol d'Otna que j'ai fait avec leur qualité Gilliatt. Clairement, leur laine là, pour des jacquards, c'est ultra canon. J'ai tout fait tomber. Et donc, Dererum Natura vous offre un bon d'achat de 10 euros dans leur boutique. Prochain lot. Alors, c'est aussi une boutique. C'est une boutique qui m'a contactée pour celle qui habite à côté de Bordeaux. Donc, une boutique, je ne sais pas si elle vient d'ouvrir. En tout cas, je ne la connaissais pas du tout. Donc, à côté de Bordeaux, il y a une ville qui s'appelle Langon. Enfin, un côté, genre, je crois que c'est 30-40 minutes. Et il y a la boutique d'Agnès, qui est une boutique de laine, qui fait de la laine, bien lissante. Et la boutique d'Agnès vient de recevoir des nouvelles qualités de fibres. Donc, notamment la laine à chaussettes de chez Plassard avec du cachemire. Et elle a la gentillesse de vous offrir deux pelotes de laine à chaussettes avec du cachemire. Coloris jaune, on va pas se mentir, ça pète, c'est trop beau. Donc merci beaucoup, ce lot est aussi super doux et je serais super doux, super cool et je serais hyper curieuse de pouvoir toucher la laine à chaussettes avec du cachemire. Je pense que ça ferait des petits pieds trop sympa. Ensuite, on retourne sur du patron. On a un lot de Marie-Christine Lévesque, donc MCL Design, je crois. Je sais plus. Donc Marie-Christine Lévesque, qui est quand même quelqu'un qu'on ne présente plus, qui fait des pulls magnifiques, qui fait surtout des ouvrages, des créations de chaussettes magnifiques, donc et également des recueils. Donc l'ancien recueil de laine à chaussettes, je ne sais plus du tout comment il s'appelait, mais le nouveau, en tout cas, botanique. L'ancien recueil s'appelait Botanique, tous les modèles qui sont dedans sont ultra canons. Et le nouveau recueil de patron de chaussettes, donc le recueil champêtre, et bien Marie-Christine a la générosité de vous offrir son nouveau recueil en format PDF, et donc l'accessibilité à tous les patrons qu'il y a dans ce recueil. Je vais vous mettre quelques images de ces très beaux patrons qui sont dedans. Franchement, merci beaucoup Marie-Christine, c'est un très beau lot et
Voilà. Là, il y a certains, voilà, tous ces lots sont magnifiques et je me dis, mais j'aimerais, en fait, j'ai envie de me faire des faux comptes YouTube pour pouvoir gagner les lots. Genre, voilà, c'est vraiment des lots de malades. Ensuite, il y a un nouveau lot, donc Elsa, qui est une tricopine grenobloise, qui fait énormément de sacs à projet, de trousses à matériel de tricot. Donc, je peux vous mettre quelques photos de ses travaux. En ce moment, elle fait énormément de sacs à projet avec des moutons qui sont super rigolos. D'ailleurs, j'ai vu que l'eau demoiselle en avait un. Qui vous offre un bon de réduction sur sa boutique de 15%. Un autre lot, c'est aussi sponsorisé par aussi un autre lot sponsorisé par Catherine de Madeleine et Philibert, qui vous offre un bon d'achat également de 15 euros pour sa boutique, ce qui fait à peu près, il me semble, l'équivalent d'un kit chaussettes, donc 20 grammes de contrastant et 50 grammes de lana chaussette. Madeleine Philibert, pareil, on ne la présente pas, qui fait des laines où chaque nom de laine correspond à le nom d'une ville, sachant qu'une catégorie de couleurs correspond à un pays. C'est-à-dire que le bleu chez elle, ça correspond à la France, et tous les bleus différents qu'elle va faire, ça va avoir le nom de ville en France. Il me semble que c'est le rose. C'est l'Angleterre, c'est ça. Le rose, c'est l'Angleterre. Et après, je suis ni en géo et je m'en souviens plus. Et donc, Catherine qui vous offre très gentiment un bon d'achat de 15 euros sur sa boutique. On repart sur les patrons. Moi, j'adore les chaussettes. Il y a quelqu'un d'autre qui fait des chaussettes ultra canon. Il s'agit de mes flocons de laine. Voilà. Qui fait des. J'ai déjà testé pour elle quelques-uns de ses patrons de tricot, de chaussettes, pardon, qui sont d'une élégance et d'un raffinement de malade. Et très généreusement, elle vous offre trois patrons sur sa boutique Ravelry. Donc, trois d'entre vous auront la chance d'avoir un patron au choix sur sa boutique Ravelry. Un autre lot, ça ne s'arrête jamais, hein, c'est un truc de fou. Un autre lot, il s'agit de Wool Bags qui veut vous gâter. Donc Wool Bags, pour ceux qui connaissent pas, c'est une créatrice de sacs à projet, donc qui fait des très très beaux sacs à projet. Je cherche parce que doit y en avoir un là. Ouais. Comme celui-là. Ça, c'est un de mes préfs de préfs. Donc Wool Bags. Qui fait des sacs à projet de plusieurs. Oh ben, j'ai retrouvé un marqueur que j'avais perdu. Qui fait des sacs à projet de plusieurs dimensions, donc très très pratique. La plupart se ferment avec ces cordons et en plus on peut les accrocher avec ça. J'adore. Donc elle fait des très beaux sacs à projet et elle fait aussi des laines. Il me semble qu'il y a des autorayants. Voilà. Elle fait aussi des très très belles laines que je n'ai pas encore eu la chance de tricoter. Et donc, Woolsbags vous offre avec grande générosité un bon d'achat de 50 euros sur sa boutique pour pouvoir vous faire plaisir. Le prochain lot, il s'agit d'une boutique de laine. Alors, j'ai rencontré avec ma maman durant le Knit It. La propriétaire de cette boutique qui est en Suisse. Depuis, j'ai qu'une envie, hein, c'est d'aller en Suisse depuis que je l'ai rencontrée. Donc, il s'agit de la boutique Lénitude, qui est une boutique qui vient d'ouvrir. Il me semble il y a moins de 2 ans, 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Il me semble que c'est 1 an. Donc, une boutique qui est en Suisse, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en Suisse, hein, on va pas se mentir, surtout à côté de Grenoble. J'ai regardé la dernière fois, c'est 4 heures de route en voiture. Donc, je sens qu'un week-end, il y a moyen que ça passe. Donc, Lénitude est une boutique qui fait énormément de belles laines. Donc, si vous voulez aller voir sa page Insta, elle a vraiment un stock très, 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 très sympa. Et dans son stock très, très sympa, elle a la Hedgehog Fibers, qui est une des laines, on va pas se mentir, pleine de peps, que j'adore. Et donc, elle vous offre avec
Bref, générosité. Tout le monde a une grande générosité, je fais que de le dire, mais voilà. Elle vous offre très gentiment un écheveau de Hedgehog Fiber de 100 grammes avec le mini qui va avec. Genre un truc de fou. Donc voilà. Encore un très très beau lot. On continue, c'est pas fini. Un autre lot possible, il s'agit de Sunnyside Handmade, qui a concocté un très beau lot. Sunnyside Handmade, c'est une créatrice, pardon, qui va faire des très très beaux accessoires de tricot en bois. Et donc, elle va faire des règles à chaussettes en bois, elle va faire des marqueurs en bois, comment on dit, des règles qui se graduent. Enfin, c'est normal pour une règle, je sais pas comment on dit, des accessoires de tricot en bois et super canon. Donc, elle vous a concocté un petit lot où je vous mets l'image ici. Voilà, c'est super beau. En plus, j'ai eu l'occasion de voir son travail à l'ANAE, puisqu'à l'ANAE, il y a quelques créations de elle dans la boutique. Et franchement, c'est dur de résister, hein. Voire même, on va pas résister. Et donc, voici un très très beau lot encore. Allez, on continue. J'ai refait la liste de tous les lots parce que j'avais pas tout écrit. Ensuite, dans les très généreux donateurs, on a Christelle Tricotte, qui est aussi une teinturière indépendante, qui, de ce qu'on m'a dit quand je présentais la soque blanche que j'avais tricotée, il paraît que voilà, elle en fait, et j'avais suivi d'ailleurs ses podcasts, elle en fait des personnalisés où elle écrit, elle fait un fond de couleur sur la soque blanche et elle écrit des prénoms si jamais on veut personnaliser une soque blanche. Donc je connaissais déjà son travail et on m'a aussi offert très généreusement la dernière fois un mini de laine à chaussettes de cette teinturière que je n'ai toujours pas tricoté parce que je le regarde comme ça, il est beau. Mais il est bobiné, je peux même te le montrer. On m'avait offert, voilà, celui-là. Donc un très 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 joli bleu marine. D'ailleurs, je peux vous montrer là l'étiquette. Voilà. Donc c'est Christelle Tricotte qui vous offre un très beau lot qui est 100 grammes de laine. Donc super beau, un écheveau. Un écheveau avec également un bon d'achat de 10 euros sur sa boutique. Donc voilà, super sympa. Un autre bon d'achat. Le prochain sponsor, il s'agit de Arco Iris Yarn. Alors, pareil, une teinturière qu'on ne présente plus, qui travaille énormément à base de clubs. Donc, en ce moment, cette année, il me semblait que c'était les clubs Ghibli. Moi, j'adorais regarder les vlogs de l'eau demoiselle qui présente à chaque fois les clubs qu'elle reçoit. Franchement, c'est super beau. Ça donnait bien envie. Et donc, elle vous offre avec générosité un bon d'achat également de 15 euros dans sa boutique pour pouvoir vous faire plaisir et vous acheter des pépites, des merveilles. Ensuite, on continue encore, on ne s'arrête pas, on continue encore avec des teinturières indépendantes. Il s'agit de Atelier Teinture. Atelier Teinture, je les ai découverts, je les connaissais déjà. Mais j'ai découvert visuellement leur stand durant le Knit It et ils venaient de se lancer dans la confection de boutons. Et donc j'avais craqué pour leurs très très beaux boutons. Et ils ont décidé de vous offrir comme lot deux écheveaux de leur qualité suprême, colorisables. Donc voilà, deux très beaux écheveaux à gagner par Atelier Teinture. Le prochain lot, c'est bientôt fini, mais c'est trop beau. Le prochain lot, il s'agit de Sur la rive côte Hélène, donc de Virginie, ma très copine Virginie, qui est vers Bordeaux, vers le sud de Bordeaux, qui vous offre avec gentillesse un kit pour faire son dernier patron. Donc il s'agit du kit pour le bonnet Bérénice, donc je vous mets une photo. Qui est un patron qu'elle a terminé voilà, il y a un jour, il y a 2 jours. Donc, super cool. Un très très beau lot encore. Merci beaucoup, Virginie. Encore
Le prochain lot comporte deux lots. Donc, c'est des lots offerts par la boutique Lil Weasel. Donc, Lil Weasel, c'est une boutique parisienne que l'on peut retrouver à côté de Châtenay-les-Halles. Châtelet. Ça fait longtemps que j'ai habité Paris, je sais plus trop. Donc, une très très belle boutique parisienne qui se trouve en plus dans un passage. Donc là, c'est le passage du Grand Serre. Ça, je m'en souviens. Donc, un très très beau passage à Paris. Donc, si vous allez par hasard à Paris, franchement, cette boutique vaut le détour. Et moi, je les adore aussi parce qu'ils font des anneaux marqueurs trop beaux. J'ai une petite collection d'ailleurs, je te mettrai une photo là des anneaux marqueurs de chez Lil Weasel. C'est waouh! Donc ils font des laines industrielles, ils font également pas mal de laines de teinturière, dont la bien-aimée, et ils font aussi des très très beaux tissus de Liberty et tout. Et donc avec grande gentillesse, ils vous offrent deux kits et dans chaque kit, on peut retrouver 100 g de laine, 20 g de laine, donc les deux c'est des laines à chaussettes, avec également des marqueurs dedans pour faire des chaussettes. Donc deux très beaux lots à gagner de la part de Lil Weasel. Ensuite, si t'as regardé mon podcast, tu sais que je suis devenue fan de la créatrice qui fait ces trop trop belles chaussettes, Charlotte Stone. Je suis pas sûre qu'elle a mis une photo d'elle dedans. En vrai, ça aurait été trop rigolo. Qui fait, voilà, des beautés comme ça. Et donc, Charlotte Stone, on a échangé là récemment parce que je tricote ses patrons. D'ailleurs, elle est super sympa. Et elle vous propose avec grande gentillesse de vous offrir un patron au choix dans sa boutique, ouais, bibliothèque Ravelry. Donc elle, c'est surtout les chaussettes, mais une quantité. Faut que je te mette là quelques photos de mes prefs de prefs, parce qu'elle fait de ses beautés. En fait, j'aimerais, dans l'idéal, tu vois, faire une boîte de bas pour l'année prochaine que avec ses patrons. En vrai de vrai, ou au moins la moitié de ma boîte de bas soit avec ses patrons. Donc voilà. Charlotte Stone vous offre avec grande générosité un de ses patrons qui sont quand même ultra canons. Ensuite, on a bientôt fini. Ensuite, il s'agit de Sandrine de la boutique Timeco de Bordeaux, dont je vous ai parlé dans mon podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait pas mal de laine, de qualité de laine, de marques de laine différentes. Donc elle va faire, elle fait Katia, elle fait Lang, elle fait Regia, elle fait Phil Colana. Et donc moi c'est surtout Phil Colana qui m'intéressait. En fait on va pas se mentir, je vais te montrer. Quand j'y suis allée, j'ai un petit peu craqué sur la Phil Colana qu'elle a dans sa boutique. J'adore, en fait. Et donc Sandrine propose la Phil Colana et j'étais super contente. D'ailleurs, juste pause. Je t'embête 2 secondes, je vais te montrer quelque chose. J'ai acheté chez Sandrine pour me faire le patron de Charlotte Stone. Truc de ouf. Et donc Sandrine vous offre avec grande générosité une pelote de Arwetta classique avec une pelote de Tilia de Phil Colana. Donc une pelote de chaque. Et moi je vous offre de mon côté pour aller avec le patron des chaussettes exothermiques pour vous faire des chaussettes avec du mohair pour avoir super chaud aux pieds. Donc ça serait un kit. Elle vous offre les laines, je vous offre le patron et toi, tu te fais des chaussettes. Donc merci beaucoup Sandrine pour ce très 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 beau lot qui fait partie de tous les magnifiques lots que toutes ces très gentilles personnes vous offrent. Elles vous offrent la chance de participer pour gagner. Et moi, je vais rajouter à tout ça 10 patrons
Donc 10 patrons, 10 lots de un patron a aussi à gagner pour ce concours qui est juste un truc de dingue. Donc énormément de lots. Je te remonte vite fait, monsieur. Il y a quand même une quantité de lots de dingue. Comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? Comme je t'ai dit au début, tu me mets un petit commentaire, l'endroit le plus bizarre ou le plus atypique où t'es tricoté pour faire ta participation. Je vous laisse la participation jusqu'au 18 décembre, on n'a qu'à dire 18 décembre minuit, genre bim, à la fin du week-end, je clôt les participations. Et le 19 décembre, je vous fais une petite vidéo pour dire les gagnants de ce magnifique concours. Et donc, ça sera Noël avant Noël. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. J'espère que tous ces lots vous intéressent comme m'intéresse moi. Parce que clairement, j'aimerais pouvoir tout garder pour moi, là. Et je vous dis à très vite et j'ai hâte de voir vos petits commentaires pour savoir où est-ce que vous avez tricoté. Bonne journée!